Bonjour Gullivan. Bonjour Gullivan. Bonjour. Alors donc, ouais, bon, vous connaissez tous les deux. Bah, vous dire que vous avez chanté tous les deux hier en fait. Non, pas hier. Ah, pas chanté toi hier ? Non, non, non. Nous c'est jeudi. Ah, vous c'est jeudi. On s'est croisés déjà. On a, on a même partagé une petite boisson locale, je crois. Oui, exactement, voilà. Que tu avais ramené. À la pomme. Ouais. Belle soirée du coup. C'était très bon d'ailleurs. Alors, super souvenir. Mes souliers sont rouges. Belinda, raconte-nous un peu l'histoire de ce groupe incroyable. Mes souliers sont rouges, c'est un groupe normand qui évolue un peu dans un style folk. Ça fait 25 ans, plus de 25 ans même, qu'ils écument toutes les scènes de la région et bien au-delà. Franchement, qui est normand et ne connaît pas mes souliers sont rouges? C'est pas possible, ça n'existe pas. Et en plus, regarde, il est raccord, hein, il mais est comme oui. moi. Mais ils ont tous des souliers rouges sur scène. Oui, j'y ai pensé ce matin. Mais, t'y penses pas tous les jours? Est-ce que tes chaussons sont rouges le soir chez toi? J'ai pas de chaussons. Ah bah, bah comme ça. Est-ce que vous avez pensé à faire à partager la scène avec l'ancien groupe Les Chaussettes Noires? Pas mal. Ça pourrait. C'est Eddie Mitchell, non? Pourquoi les chaussons, pas, ouais. Non. Eddie, ouais. C'est pas mal. Demander à Eddie. Faudra demander. On ne s'est pas croisés encore. En tout cas, ils viennent de sortir un nouvel album. Il est juste là. Voilà. Et ça faisait quand même 7 ans, 13 ans que vous n'aviez pas sorti d'album. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le 7e album. Ça fait des... C'est long. C'est des longues c'est vacances. Long. Vous ne savez pas, vous nous aviez manqué. Hein. Mais voilà, il a fallu tout ce temps-là pour... Mais pourquoi? Parce que vous êtes séparés ou parce que vous êtes... Ah bah, il y a eu plusieurs histoires dans le groupe. Voilà. C'est un groupe qui a plus de 25 ans. Mélinda, tu l'as dit tout à l'heure. Donc voilà, il faut aussi des temps de pause, c'est salutaire. Et là aujourd'hui, en fait, cet album, c'est exceptionnel. Ce sont des chansons qui ont été collectées en Normandie, en fait, auprès des anciens qui sont encore en vie et qui nous ont légué quelque part des chansons qu'on n'a jamais entendues, des versions que nous n'avions jamais entendues. On sait que patois ? Nous, Normands, on est un peu taiseux. Non, c'est pas du patois. Non, non, c'est pas du tout du patois. Ce sont des chansons qui ont été transmises de génération en génération. Et qui ont voyagé aussi. Certaines sont parties au Québec. Nous, on a surtout commencé avec de la chanson québécoise et on a appris après que ça venait de Normandie, en fait, que les premiers migrants francophones venaient de chez nous, de Normandie, en fait. Voilà, on la migration, entend, c'est une histoire mondiale. On vous voit et on vous entend. Les souliers sont rouges. Ça bouge. Ça donne envie de se dandiner. Bah vas-y, dandine-toi, mais fais-toi plaisir. Comment vous avez collecté toutes ces chansons? Alors, c'est une association qui s'appelle Lalour, qui est installée à Vire, qui travaille depuis déjà 20 ans. Et en 20 ans, ils ont fait une collecte auprès donc des anciens, avec un micro, et puis un enregistrement voilà, en direct de la mémoire de ces personnes. La semaine dernière, nous étions avec une dame, Madeleine, qui a 97 ans, et qui nous a appris quelques chansons, et c'était magique. Franchement, voilà, avoir une telle praline et une telle mémoire, en fait, c'est un disque dur vivant, tout simplement, quoi. Non, mais c'est ça. Ouais. Alors, l'album s'appelle « Ce qui nous lie ». Ben, c'est ça. Ça veut tout dire, genre. Toutes les générations, voilà. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Enfin, tu en parlais, pardon. Mais voilà, c'est aussi ça. C'est cette culture, en fait, qui n'appartient, en fait, à aucune industrie et aucun ministère. C'est ça qu'on se transmet. Et que vous nous transmettez aussi. Voilà. Et nous en et sommes très heureux. On peut vous voir sur scène à plein d'endroits. Ça va être un peu la folie cet été. Vous n'allez pas arrêter pour le coup. Après 13 ans off, là, on y va, hein, mon vieux. Ah bah ça fait un an que c'est reparti. Et puis c'est reparti du bon pied, j'ai envie de dire. Ah ouais, là, cet été. Bah, déjà, donc jeudi, vous serez à l'Armada jeudi soir. Est-ce que je peux faire aussi des jeux de mots, toi? Bien sûr, mais avec plaisir, avec plaisir. J'adore ça, Gullivan. Gullivan, c'est dans le nom d'ailleurs. Gullivan. Ah bon, ça va. Eh oui, tu vois, il est fort. Et vous serez carrément aux Zénith de Caen le 5 octobre. Alors là, c'est le... Oui, on revient aux Zénith. Ça va être une belle fête aussi. Alors ça, c'est à la maison, parce que vous êtes cadet à l'origine. Voilà. Exactement. Ils ont un record aux Zénith de Caen. C'est vous qui avez accueilli le plus grand nombre de personnes, la plus grande fosse, en fait. Oui, on détient. Enfin, c'est le régisseur général qui nous a dit qu'on détenait le record de remplissage du Zénith de Caen, tout artiste confondu, international et national. Donc, c'est chouette. Enfin, on est super heureux d'être un groupe, on va dire, local, même si on voyage. En effet, tu l'as dit, mais d'avoir rempli son Zénith, c'est très chouette. En fait, c'est le public qui a décidé de faire de ce groupe, en fait, ce qu'on est aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est grâce au public qu'on existe toujours. Et puis, c'est pareil pour les albums. Si on continue d'en faire, c'est parce qu'ils ont participé. En fait, on a fait une levée de fonds de 33 000 euros sur une plateforme de financement participatif. Cartonné, et c'est grâce au public si on a fait cet album dans d'excellentes conditions. Voilà. Et c'est génial. Merci.